La désertification, la dégradation des terres et la sécheresse affectent environ 1,5 milliard de personnes présentes dans plus de 110 pays. Il s'agit du tiers de la population mondiale, dont 90% vivent dans des zones à faible revenu. Les chemins permettant d'échapper à la pauvreté dépendent souvent des ressources qui sont perdues. Agraires, hydrologiques et sylvicoles. Près d'un quart de la surface de la Terre s'est dégradée entre 1981 et 2003. Les coûts financiers annuels en sont estimés à 42 milliards de dollars, ce qui équivaut à l'ensemble des aides officielles qui furent apportées à l'Afrique pour l'année 2009. La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, UNCCD, vise à améliorer le bien-être dans les zones arides du monde, rétablir et maintenir la productivité des terres et atténuer les effets de la sécheresse. La stratégie décennale pour 2008 à 2018 a identifié des objectifs spécifiques à atteindre, de même que des indicateurs d'impact et de performance visant à mesurer les progrès accomplis. Le projet PRICE, un nouveau système de suivi et d'évaluation, fut mis en place pour renforcer les capacités d'action des parties prenantes à la convention UNCCD. Le portail PRICE en représente la pierre angulaire. Il permet le suivi à long terme de la stratégie en procurant un accès instantané, au niveau mondial, à des informations de base concernant le statut de la mise en œuvre de l'UNCCD. Il s'agit uniquement là de la première étape. Les informations contenues dans PRICE seront étoffées au moyen des données provenant des indicateurs d'impact et devront être utilisées efficacement pour développer la conscientisation et mobiliser des ressources afin de lutter contre les effets dévastateurs de la dégradation des terres. C'est un parcours qui s'avère long et difficile, mais les partenaires de PRICE continueront de soutenir les pays impliqués ainsi que les autres parties prenantes. Apprenons ensemble, travaillons ensemble pour un avenir durable.